Une dernière rediff. Voilà. Dernière petite rediff pour terminer ce week-end de live. Commencé samedi 14 à 20h moins le quart. On va mettre ça en fond. Ça ira très bien. Non, en fait, je sais ce qu'il faut mettre en fond. En fait, c'est tout con. Je sais ce qu'il faut mettre en fond. Quelle question, mais évidemment. Je sais évidemment qu'est-ce qu'il faut mettre en fond. Évidemment, je veux dire, on peut pas se quitter sans mettre cette musique de fond. On ne fait pas beaucoup à tous tenir, mais on l'a tenu. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'était un super week-end de live. Je me suis éclaté, très clairement. Je me suis vraiment amusé. Merci à tous ceux qui sont passés en live en ma compagnie. J'ai été faible, navré, mais c'est pas grave, y a aucun problème, bien évidemment. Vous avez tout à fait le droit d'avoir autre chose à foutre que de passer tout un week-end sur un live. Et j'en profite donc, comme je disais, pour remercier les personnes qui m'ont accompagné en vocal, qui ont joué avec moi, qui étaient donc Justine sur Mario Kart 8, Joker sur... J'ai pas dit... J'ai pas dit ça. Ça, c'est toi qui l'as insinué tout seul. Joker sur Sonic All-Star Racing Transformed. Ensuite, il y a eu Mika et Luna sur Guild Wars 2. Et du coup, pour notamment Joker, Justine et Mika, vous pouvez retrouver leur chaîne de live sous mon live à moi. Donc n'hésitez pas aller leur faire un petit coucou si jamais, allez les follow, ça leur fera toujours plaisir. Je me suis éclaté comme jamais, surtout qu'en parallèle je suivais un marathon de 48 heures, c'était assez éprouvant à un certain moment, je te le cache pas, j'imagine. J'imagine. Cette musique qui a inspiré l'un des meilleurs monologues, merci! Mais du coup voilà, on arrive à la fin de ce week-end de live. On a donc livé pendant 25 heures 22 minutes, le dernier uptime. On le voit un petit peu plus haut. Il est juste là, là il s'en va. Là, il s'en va, là. Non, non, on le voit plus. Ah non, je floutise. Ça y est, je floutise plus. Merci pour tous ces fous rires, ces clips, ces musiques et ces découvertes. Eh bien, avec grand plaisir. On va plus entendre parler de Link pendant 3 jours. Exactement. Non, mais du coup, voilà, vous avez le dernier uptime qui est là. Avec 1 jour, 1 heure, 25 minutes. Donc 25 heures et 25 minutes de live. Tout ne sera pas entièrement rediffusé, puisqu'il y a certains trucs, notamment les pauses miam où on discutait, etc. Je vais peut-être pas les rediffuser, j'en sais rien en vrai pour l'instant. Mais tout sera rediffusé, toutes les parties de gameplay seront rediffusées, donc MK8, MK8, Sonic, Guild Wars, Diana Sisters, Lost Castle, Hellier, tout ça sera rediffusé, les post-bouffes, je sais pas. Les post-bouffes font des vues, mais est-ce que c'est vraiment ces vues-là qu'on veut? Voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et puis de toute façon, vous le savez, je suis pas le genre de personne à courir après les vues au moindre truc, donc voilà. Mais c'était vraiment très très cool. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, ce marathon. Bon, malheureusement, avec la chaleur qu'il a fait, c'était quand même assez éprouvant physiquement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, s'il avait fait moins chaud, très clairement, j'aurais live jusqu'à probablement minuit ce soir. Mais bon, là il est quand même 21h. Je vais me poser, je vais me prendre une douche, je vais manger et très probablement aller me coucher. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment très 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 sympa. Je me suis vraiment éclaté. On en refera, bien évidemment, on en refera. Alors j'éviterai évidemment d'en refaire en été, hein, parce que 35 degrés dans l'appart, merci bien.
Et oui, exactement, on n'oublie pas l'huile d'olive. Mais c'est vraiment très très cool. Et très probablement, le prochain marathon sera en fin d'année. Hein, je vous le dis. Pas avant la fin d'année. Parce que d'une, on va pas en faire tous les week-ends non plus. Pas déconner. Point trop non faux, j'ai envie de dire. Du coup, nous, on va se retrouver peut-être en live demain soir, peut-être. C'est pas sûr, hein, clairement pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on se retrouvera mardi. Peut-être demain, on verra bien. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de faire tout ce live avec vous. Vous avez été nombreux. On est très peu descendu en dessous de 10. Généralement, sur les lives habituels, on est genre 5-6 viewers. Et là, on a eu quand même une bonne moyenne à 15 viewers tout au long du week-end de live. Donc je suis assez content. Enfin, je suis même très content. Ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Donc merci à vous, tout simplement. Parce que bah, si vous n'aviez pas été là, bah, je l'aurais pas fait, déjà. Et j'aurais clairement pas forcément tenu jusqu'à maintenant. Et pour le coup, c'est ce qui est assez bizarre. Bon, j'ai des cernes de fou, hein, clairement, je suis allé voir tout à l'heure, j'ai vraiment des cernes. Mais j'avoue que j'ai la patate. J'ai la patate, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt très très bien. La douille psychologique, un petit peu, ouais. Mais physiquement, en fait, physiquement, je suis fatigué, hein, clairement. Mais mentalement, en vrai, j'ai vraiment la patate, c'est un truc de fou. C'est c'est aussi grâce à vous. C'est très con, hein, mais c'est aussi grâce à vous. Puisque bah, vous avez été là, vous avez été présent, vous m'avez soutenu. Dans tous les sens que vous voulez. Donc voilà, bah, ça, comme je dis, ça aurait pas été... je l'aurais pas fait si vous n'aviez pas été là. Donc c'est avec un grand plaisir que je l'ai fait. Et je tourne en rond. Je tourne en rond, mais sinon tout va bien. Et je cherchais un truc, mais je sais plus ce que je cherchais, parce que je me suis perdu dans mes blabla. Du coup, je sais plus. Je sais plus. Mais sinon, voilà. S'il refait un marathon pour son anniv, peut-être. Parce que je rappelle, hein, pour mes 27 ans, j'avais fait le live de 27 heures. Donc là, vu que cette année, c'est 30 ans... Voilà. Non, mais en attendant, on a le temps d'y réfléchir, et moi, je verrai ce que je ferai. Du coup, bah, je vous remercie à tous, 30 heures de live, allez. Mais en vrai, ça me dérange pas, ça me dérangerait vraiment pas de les faire, à la seule condition qu'ils fassent pas 35 degrés. C'est clairement, voilà, pour moi, là, c'est le truc. Si vous vous souvenez, sur le dernier marathon à 27 heures, en fait, j'étais fatigué d'avoir fait 27 heures, mais ça allait, en fait, ça allait. Là, en fait, le fait d'avoir live plus de 24 heures, avec la chaleur, avec la sueur, j'ai même envie de dire, clairement, au bout d'un moment, voilà, c'est... Physiquement, ça tire. Physiquement, clairement, ça tire. Mais voilà, c'est un réel plaisir que... C'est avec un réel plaisir que je l'ai fait. Et j'en referai très clairement. Puisque de toute façon, comme je le disais, sur les... J'avais dit 9, j'avais dit 17. Sur les 17 jeux potentiels, au final, on a joué à 8 jeux. Donc, voilà. Partir de là, voilà. On a encore de la marge, j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. Il y a beaucoup de sujets beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés. Pourtant, j'avais dit qu'on le ferait, mais de fil en aiguille, on a parlé, on a discuté, on avait renseigné beaucoup de choses. Et beaucoup de sujets n'ont pas été abordés, notamment le projet qui me tient à cœur.
J'avais dit qu'on en parlerait, mais au pire, ça, c'est, ce n'est que partie remise, très clairement. J'aurai bah, du coup un petit peu plus de temps pour vous montrer des choses. Et vous présenter des choses, vous présenter des personnages notamment. Vous présenter certaines... au final, certaines parts de moi, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie sincèrement à tous d'être restés, d'avoir passé autant de temps en ma compagnie pour ce week-end. 80 ans, 80 heures, ce sera sans moi. Ouais, non, sans moi non plus. Hein. Clairement, je vous les laisse. Hein. Démerdez-vous, mais sans moi. Et du coup, je vous remercie sincèrement d'avoir passé autant de temps en ma compagnie, même ceux qui ne sont pas restés, ceux qui sont, voilà, ceux qui sont passés en coup de vent. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont donné des rubis. Merci beaucoup à vous. On va les citer quand même. On va quand même les citer. Je vais chercher mon dashboard, puisque je l'ai pas sous les yeux. Mais on va quand même vous citer, parce que c'est la moindre des choses. Et puis voilà, pas de problème, Link. Ce fut fun de passer toutes ces heures avec toi. Et ben merci beaucoup, Shadows. On a eu des follow, on a eu des donneurs de rubis, enfin des perdeurs de rubis, parce que je rappelle, les rubis qui tombent de la poche, c'est moi je récupère. Hein. On a eu évidemment Elodie, on a eu le sub et resub, on a eu DJock et Justine. On a eu des follow de Papy Marley et de Madori Kuroi. Et une pluie de rubis de la part d'Elodée. Donc merci à vous tous et toutes. Alors que justement Elodée passe son level 83 et Shadows passe son level 61. GG à vous deux. Et c'est sur cette musique épique que je vais couper mon monologue. En vrai, sur cette musique, on peut faire tellement de monologues, c'est tellement stylé. C'est trop bien. Et vous savez à quel point j'adore faire des monologues épiques. Et du coup, bah, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être demain. Mais dans tous les cas, mardi, au plus tard mardi. D'ici là, portez-vous bien. Reposez-vous. Et surtout, n'oubliez pas que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.